Pour les peaux à tendance atopique, il est important que la toilette soit très douce. Un bain un jour sur deux est suffisant, pas trop long et avec de l'eau pas trop chaude à 36 degrés. C'est l'inverse du plat à gratin que vous voulez bien dégraisser et que vous mettez longtemps à tremper avec du produit vaisselle. Au contraire, les produits nettoyants doivent être sans savon, si possible sans parfum, et avec un pH neutre pour la peau, c'est-à-dire légèrement acide autour de 6, et non alcalin comme les savons classiques. Après la toilette, tous les jours, toute l'année, il est important d'appliquer un baume hydratant, on dit aussi émollient ou relipidant, pour aider à espacer les poussées de dermatite atopique. Évitez de trop couvrir l'enfant, il ne faut surtout pas qu'il transpire dans des vêtements qui peuvent entraîner des frottements, fibres synthétiques, laine ou tout simplement trop petits.